30 degrés à l'ombre. Et il n'y a pas d'ombre. Un singe lèche un caillou brûlant en rêvant d'une glace au chocolat fondant. Un crocodile oscille en canne sèche dans la mare archi-sèche. 40 degrés à l'ombre et il n'y a pas d'ombre. Une autruche s'arrache les plumes des ailes pour donner de l'air à ses aisselles. Les mouches fixent les bouses sèches comme des ivrognes attablés devant un os de sèche. Au loin, un lion rugit. Il a posé sa patte sur une pierre rôtie. 40 degrés à l'ombre et il n'y a pas d'ombre. La scène se passe en Afrique. Scène se passe en Afrique, quelque part sous les tropiques. Un couple de nègres sympathiques et un enfant éthique. L'enfant tient dans ses mains une écouelle qu'il fixe de ses larges prunelles. La mère contemple ses gris-gris et le père à l'enfant dit: Toto, mange ton pila-pila. Non, papa, je mange pas mon pila-pila. Et je m'appelle pas Toto, je m'appelle Mama Mounia. Pour la dernière fois, Toto, tu vas manger ton pila-pila. Non, papa, je mange pas mon pila-pila. Et je m'appelle pas Toto, je m'appelle Mama Mounia. Écoute, Toto, si tu ne manges pas ton pila-pila, je laisse tomber le totem sur tes pieds plats. Alors la mère, abandonnant ses gris-gris, se tourne vers le père et lui dit: arrête de le taquiner, tu vois bien que tu le fais pleurer. Partant d'un grand éclat de rire, ha ha ha, le père répondit: ha ha ha, c'est pas parce que le gosse a rien dans les couelles qu'on peut pas se prendre la gamelle avec un truc rigolo comme une histoire de Toto. Allez, viens Mama Mounia, viens Mama Mounia, de l'humour ta mère n'en a pas. Allez, viens Mama Mounia, on va aller se taper en ruta chez la mère Baga, Ruta Baga, ha ha ha, Ruta Baga, ha ha ha.